The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Merci de nous suivre. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. Bon ben les amis, on se retrouve tout à l'heure. Alors tout à l'heure, on va vous expliquer un peu comment on trouve la vie nomade. Voilà, la vie nomade. On se retrouve tout de suite. On s'installe et on se voit ensemble. Bisous, bisous. Bonjour garçon. Bon, t'en penses quoi là? Et de cette vie nomade? Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Ah, moi c'est parfait, hein, papa. Et t'aimes bien, hein? Ah, moi j'adore. J'ai plein de copains et de copines. Ah oui? Ah oui. Avant j'étais tout seul avec mon lit, mais maintenant j'en ai plein. Et la fifi, hein? Mais regarde là. La fifi, elle se couine. Ah ben, papa, je me repose, moi. Et fifi? Tu fais la gratouille? Bon, elle fait les gratouilles. Elle fait les gratouilles. Bon, les amis, on se retrouve. Et faire chanter petit pote. Bonjour, on se retrouve. Aïe, pardon, excuse-moi. Je vais écraser mon orteil. Pardon. Bonjour à tout le monde. Hello, hello. Bon, là, on s'est posé. On s'est posé. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait plusieurs fois, d'expliquer un peu notre vie de nomade. Mais bon, là, je sais pas, on va peut-être expliquer des choses qu'on n'avait pas dit avant ou quoi. Qu'on a oublié. Voilà, donc là, on est fin mars. Ouais. On est fin mars, début avril. 2023. Et 2023, et en fait, au mois de décembre l'année dernière, ça a fait un an qu'on est parti sur la route. Yes. Donc on a vendu notre maison d'un coup. On n'avait jamais fait de camping-car. Jamais. Même pas, j'ai regardé les camping-cars. C'est vrai, hein. Et du coup... on a pris le camping-car. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Honnêtement, on me l'a demandé. On s'en souvient. Et je ne sais pas pourquoi. On s'en souvient pas du tout comment c'est venu la chose. Ouais. Bon, nous, on devait vendre la maison. Parce que la maison, tu vois, les enfants, ils étaient partis. La maison était trop grande pour nous. Moi et mes handicaps, je galère trop au jardin. Donc, il y avait trop de jardin. Les enfants, ils sont bien gentils. Ils venaient les week-ends. Bon, avant le repas, quand même, hein, je les faisais venir pour faire les travaux. Mais bon, c'est pas leur truc, quoi. Il faut qu'ils fassent leur vie. Hein. Donc, on a dit, on va vendre la maison et on va acheter une maison de ville, hein, une petite maison de ville. Ou alors un petit jardinier de 100 mètres carrés. Ça ira bien. Parce que bon, moi, c'était trop galère. Hein. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un gros accident. Donc, j'ai fait 3 mois de coma. J'ai cassé les deux poignets, j'ai cassé l'épaule, les vertèbres. Le bassin, j'ai toute la jambe de fracturée. On m'a ouvert l'autre jambe pour faire le genou. J'ai une paralysie du pied, une paralysie de la main gauche, j'ai plus de releveur. Il n'a pas la paralysie de la bouche, hein. Ouais, voilà, ça va. On m'a levé la rate, un morceau d'estomac, un morceau quoi, bon, voilà. Voilà, j'ai une grosse liste. Donc vous comprenez que le jardin, c'était difficile pour moi. Non, voilà. Donc, et je ne sais pas pourquoi on est venu au camping-car. Alors c'est vrai que le frérot, en fait, c'est un ami d'enfance où on s'est retrouvés, on est restés, on s'est connus quelques mois, de tout jeune. Et c'était l'ami d'enfance, ils allaient à l'école avec Doudou. On était à l'école ensemble. Voilà. Non. Donc c'était un ami d'enfance de Doudou, ils allaient à l'école ensemble. Ouais. Et en fait, quand on s'est mis ensemble, on habitait à côté d'eux. C'est ça. Et on s'est fréquenté, c'était jeune, mes débuts de permis et tout, à fond Johnny Hallyday et tout dans la voiture, et c'était génial. Et du coup, après, on s'est perdu de vue, nous on est partis, ils sont partis sur Marseille. Chacun a fait notre vie après, hein. Voilà, et on s'est revus plusieurs années après, moi j'étais en fauteuil roulant. À Carrefour, on me rappelle. Voilà, parce qu'en fait, je suis resté un an et demi en fauteuil roulant à peu tu près. Tu sais ce que tu allais acheter. Ouais, donc je suis resté en fait un an en hôpital, en centre hospitalier, et à peu près autant en centre de rééducation. Donc voilà, et on s'est retrouvés, et depuis on ne se quitte plus, on s'entend très bien, et on s'appelle frérot tous les deux, parce qu'en fait, on s'est choisi comme frère, comme on dit. C'est frérot de cœur. Ah ouais, ouais, en fait, tous les deux avec Sorette, ils sont géniaux. Ouais, c'est vraiment des gens... formidables. Formidables, formidables. ça ne me gêne pas de le dire. Ah bah non, moi non plus. Pas hein. Du tout. Ah, pas du tout.
Et voilà, donc... Je répète, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est des fois qu'on entend mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je fais pareil, hein, t'inquiète pas. Ça m'énerve, hein. Donc du coup, eux, ils avaient fait du camping-car. Et je crois que c'est peut-être eux qui l'idée, je ne sais pas. Je ne peux pas dire sûr, mais voilà. Donc du coup, il est-il que nous, on avait acheté un camping-car, qu'on avait vendu la maison, du coup, il a fallu partir à la maison, on n'avait pas encore le camping-car, on est parti chez le fiston, et blablabla, et tout ça, et voilà, et on a chargé, alors je ne vous dis pas les débuts, hein. Quand on a chargé le camping-car, on avait fait des cartons, bon déjà on avait fait le tri, hein, Doudou. Et Doudou, hein, elle rentre dans le camping-car, moi j'y passe les cartons, et j'y passe. Et à un moment donné, Doudou me fait, ça ne rentre plus. Ah, j'ai dit, écoute, on met tout dedans, qu'est-ce en braque, que j'ai pleuré, et on verra, on va essayer de trouver. Et c'est vrai qu'après, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de temps. Voilà, on a tout en triple, en quadruple, il n'y a pas besoin. Hein. En plus, nous, on ne s'habille pas Christian d'or, le pull, quand il est mort, on m'en a acheté un autre, et c'est voilà, fini. Voilà, exactement. Hein. Mais voilà. Bon, ça m'a fait la peine, quand même. Alors du coup, après, on a eu le camping-car, bon, on a eu plein de soucis. Oh. Alors, pour les nouveaux abonnés, honnêtement, regardez les vidéos du début, parce que, bon, pas la qualité, parce qu'avant la qualité, déjà là, c'est pas top, mais alors avant, c'était vraiment pas top. Et je remercie tous les anciens, parce qu'ils ont été... ils ont été géniaux. Ah ouais, ouais, qui nous suivent depuis le début. Et merci à vous, hein, honnêtement. Hein. C'est ce qui fait aussi que la chaîne existe encore. Hein. Ouais. Parce qu'on avance doucement, c'est grâce à doucement, mais vous êtes fidèles. Et ça, alors c'est trop sympa. Chaque fois qu'on vous a croisé sur un spot quelque part, hein, ça a été des moments inoubliables. C'est clair. Alors, vous entendez peut-être un petit bruit, c'est parce que le ventilo là-bas au fond, on l'a mis à fond. Parce que là, il chauffait comme on a fermé. Ouais, quoi. Chaud. On est avec des maisons autour, on ne voulait pas trop qu'on nous entende quand même. Alors, peu, ouais. Voilà. Alors, voilà, on est parti avec camping-car. On ne savait rien du tout, même pas comment il fonctionnait. On l'a filmé au gars, j'ai dit, écoutez, je ne vous prends pas à vous, mais j'enregistre pour savoir comment ça marche. Parce que là, le coup de la douche, vous allez à la douche et que vous croyez que vous avez l'eau de suite, l'eau chaude. Pardi, l'eau froide, combien de fois je me vous suis lavé pas, à l'eau froide. Hein. Vous pouvez attendre un quart d'heure, 20 minutes, hein, oh, en tour de rôle. Hein. Ah ouais, non, là, honnêtement, il y a eu plein de petits trucs, on voit ça. Maintenant, on en rigole, mais au début, on rigolait pas trop quand même. Hein. La première nuit, quand il y a tout qui a pété, à Doudou, j'ai dit, putain, on va sur un spot où il y avait l'électricité, on branche, et j'ai dit, Doudou, c'est Versailles, tu peux y aller. Là. Tu pars. Et on a allumé. Pouf, de coup, plus rien. Plus d'électricité, il faisait froid, il neigeait et tout. Oh, j'ai dit, comment on va faire, hein? Dans l'Aveyron, en plein hiver, il faisait moins de 10, pas loin. J'avais tous les cils qui s'étaient gelés. J'ai dit, on va dormir dans la nuit. Doudou, elle n'arrivait pas à dormir et toi, elle m'a réveillé. Il faisait trop froid. Du coup, on a démarré, on est allé dormir sur le parking d'Intermarché pour ne pas réveiller les voisins avec les bruits du moteur. J'ai dit, avec le moteur, on va faire le chauffage. On va respecter. Pour attendre le matin que le concessionnaire il ouvre. Du coup, le matin, on va au concessionnaire. Et en fait, le problème qu'il y avait, c'est que, avec toute l'installation qu'ils m'ont fait, parce que j'ai tout fait faire à eux, hein, d'entrée, j'ai acheté, j'ai dit, vous me faites tout ça. Et il n'avait pas mis des fusibles assez forts. Il avait mis des 50 ampères et en fait, il fallait des 80. Donc, du coup, il a fallu trouver des 80, mettre des 80, échanger. Bon, ça a été, ça va. Ça va. Petit truc, c'est rien, quoi. C'est rien. Bah, pas la nuit qu'on a passé, mais bon, même la couette, et on n'en pouvait plus. Hein. Du coup, on s'en va. Et pareil. On va voir la famille, machin, couffin, et on dit, oh, on retourne au spot, là où on s'était branché, pour mettre les petits chauffages électriques et tout. On se remet, pouf, et ça recommence. On veut longtemps. Ben, j'ai, ah, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils étaient en congé. C'était les vacances entre Noël et Jour de l'An. Comment on fait, nous? Il n'y avait plus rien qui marchait. Alors en fait, surtout ce qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas l'appareil qui nous disait si ça chargeait ou pas. Donc on ne savait plus. Alors j'ai à Doudou, j'ai écoute, tant bien que mal, on s'en va dans les roues, au moins l'hiver, il fait plus chaud. Et on va attendre la semaine, en roulant, ça va charger les batteries quand même. Mais on ne savait pas si ça chargeait ou pas. Donc du coup, on est parti la semaine, bon ça s'est bien passé quand même. Non, ça va. On ne savait même pas si les panneaux solaires ils fonctionnaient. Du coup, après, on a mis le petit appareil Vitrol, la ronde là. On a dit, moi il me faut quelque chose pour contrôler. Hein. Donc ils me l'ont mis, donc maintenant on contrôle, on sait la consommation. On consomme normalement en 15% par jour de batterie, un moment, de 400 ampères, on consomme 15%. Je te crois. T'es mignonne. Voilà, allez, je vais poser la caméra. Ah ben voilà. Oh, putain, nickel, là-haut. Ah ben voilà. Je commence à avoir chaud. Hein. Tu peux te déshabiller si tu veux. Et non, non. Ça fait que, tout ça fait, on remonte, et en fait,
le gros appareil qu'on avait, le chargeur convertisseur Vitron, il y avait un défaut. En fait, il y avait un pontage qui ne pontait plus. Et juste au moment où on l'a branché, eh ben, il n'a plus poté. Alors après, pareil, je vous dis ça rapide, mais bon, ils ont cherché, ils ont envoyé à Vitron. Vitron a dit, envoyez-nous les photos de comment vous l'avez branché, qu'ils n'aient pas fait une bêtise. Bon, tout ça fait qu'en fait, il y avait un problème. Il a reconnecté et nickel. Et c'est vrai que depuis, ça marche très bien. Il n'y a que nous, quand on a mis l'appareil à raclette, là, qu'on a tout vidé, qu'il a fallu reprogrammer. Bon, ben, ça, c'est des choses débutantes. Ouais, mais... bon, c'est vrai que maintenant, du coup, ça ne nous arrive plus. Hein. Ben non, on ne la fait plus. Et voilà, donc, vous savez nos débuts. Surtout que le début, ça a été chaud. Après, on est parti en Espagne direct. On a dit, on s'en va à l'Espagne. Mais bon, on ne savait pas comment on trouve de l'eau. On ne savait pas. Comment faut faire du sauvage, parce que nous, moi je regardais, à l'époque, je regardais 45 youtubeurs. Alors j'ai pris un peu la sauce à tout le monde, tout ce qui m'intéressait, et j'ai fait mon camping-car. Parce que nous, comme on n'y connaissait rien. Bon, maintenant, je ne peux pas les suivre tous, hein, honnêtement, entre les messages filmés et tout. Alors, de temps en temps, je mets un petit coucou à quelques-uns. Il y en a quelques-uns que je regarde de temps en temps, dont Philéfa, bah, une premier. Très belle rencontre, et là, je crois que ça, c'est... Ça, c'est pour tout le temps. Nickel. Ça s'oublie pas. Là, en ce moment, je regarde les vidéos tous les jours. Alors, c'est vrai qu'avant, je ne mettais pas trop de messages. Mais là, maintenant, avec ce qui leur est arrivé, les pauvres, ouais. Ces carapates avec leur bus. Ah ouais. Honnêtement, je vous souhaite courage, les amis. Ouais. On sait un peu ce que c'est les pannes. Ah oui. Et là, vous, ça dure un peu. Et je suis de tout cœur avec vous. C'est pour ça que là, maintenant, là, je regarde tous les soirs. Ouais. Et je vous mets un pour petit voir, message ouais. Court. Mais. On n'a plus trop le temps, nous. On le sait entre nous, youtubeurs. Mais le cœur y est. Voilà, on se voit tous. C'est trop gentil, c'est super. Et voilà quoi. Après, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Baraka, il y a. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, ouais. Mais il y en a pas gagné en fait. Il y a Mitch, le dernier. Il y a Van Life, Évasion. Voilà. Il y a Baroudeur. Il y a Nord Vagabond. Il y en a plein, quoi. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, ceux-là, j'essaye quand même, quand il faut une vidéo, d'être derrière. De les regarder, parce que j'aime bien, en fait. Voilà. Honnêtement, moi, j'aime bien. Même si j'arrête, si demain on arrête de faire des vidéos, je continuerai à regarder parce que je les trouve intéressants. Et chacun a sa manière, chacun a son truc. Chacun est différent, voilà. Mais chacun a son truc à apporter. Voilà, voilà. Après, bon, il y en a qui font, c'est plutôt des reporteurs, on va dire. Ouais. Ils font des voyages, et moi, c'est très bien. Chacun, il fait comme voilà, il peut. Exactement. Et il faut de tout pour faire tout un monde. Fait. Et voilà. Tout bon. Est beau, tout est bien. Voilà, nous, on s'est quand même branché sur nos vidéos. On n'a pas trop changé depuis le début. Mmh. On se filme, nous, voilà. Notre vie. Donc, on ne triche pas, c'est non, ce qu'on fait, nous. C'est après, naturel. C'est ça, on vous montre pas tout. Hein. On vous montre pas quand on s'engueule, quand même. Hein. Et notre vie, notre aventure de début, parce que bon, il y en a certains que j'ai regardé, ça m'a aidé quand nous on a démarré. Donc, comme de montrer les spots. Oui, ça la clignote. Batterie. Non, 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 non. Non, non, c'est bon, ça marche. Et voilà quoi, donc c'est pour ça aussi que nous on montre les spots. Alors je me suis fait un peu critiquer, on m'a dit, il ne faut pas montrer les spots, après il y a trop de monde. Bon, après les spots, moi, de toute manière, j'invente rien, c'est sur Parfum Light. Voilà, j'allais le dire. Voilà. J'allais le dire. Et après, moi j'aime bien voir des fois un spot et le voir en vidéo, des fois ça donne plus envie que si on voit un nom. Donc moi j'aime bien le partager. Et, nous on a bien l'échange. Et après, voilà. Sur un spot, on n'a pas resté ad vie aeternam. Non. Normalement, il faut laisser la place un peu aux autres et, voilà, il faut partager. Et tourner. Il faut qu'il y ait assez de place pour tout le monde et voilà quoi. Après, quoi dire de plus? Ça fait un bon, peu plus d'un an qu'on navigue. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'on navigue avec Jack le camping-car. Alors Jack, pourquoi Jack pour les nouveaux? En fait, c'est l'étrange de Noël de Mr. Jack. J'adore ce dessin animé. C'est un petit squelette. Et mon fils, il m'avait offert la figurine. La petite figurine, ouais. Et du coup, on ne savait pas comment l'appeler, le camping-car. Et j'ai dit, on l'appelait Jack. Voilà, et ça lui va bien. Parce que pour Mr. Jack, ça faisait un peu trop. Hein. Jack, ça ira très bien. Et du coup, il y a la figurine et on a trouvé la fiancée qui s'appelle Sally. Donc du coup, on a Jack et Sally, et Jack, ça lui va trop bien. Sally et Jack. Voilà, très bien. Et voilà, donc ça fait un an qu'on navigue. Alors, honnêtement, l'Espagne, bravo. Honnêtement, il n'y a rien de négatif. Voilà. La nourriture, hein, j'adore. Au top.
Déjà, en plus, c'est moins cher. Voilà. Les spots, ils sont assez tolérants. Top. Il c'est fait sûr beau. Qu'ils ferment des spots, mais quand vous arrivez sur un spot où il y a 200 ou 300 camping-cars, c'est normal. Qui sait qui habite à côté et qui ne va pas râler, honnêtement. Donc là, il y a un moment donné, il y en a trop. Je comprends. Vous avez de l'eau dans toutes les stations d'essence. Alors, en principe, c'est vrai qu'ils le font de moins en moins gratuit. Mais bon, ça coûte 2 euros. 2 euros, ça va. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il fait beau. Le gasoil est moins cher. Alors, au jour d'aujourd'hui, 1,47€ quand même, le litre du gasoil. Les autoroutes sont gratuites. Il n'y a que dans le sud où on paye, mais si vous allez complètement au sud, vous allez payer maximum 5 euros. Donc tout ça, c'est... Après, dans les spots, l'hiver, la Guardia Civile, ils passent, hein, ils vous disent bonjour, voilà, ils sont vous disent si tout va bien. Honnêtement, non, impeccable. Y a rien à dire. Impeccable. Après, c'est sûr, hors saison. Bon, déjà, moi, je pense qu'il va faire trop chaud. Mais je pense qu'après, hors saison, il faut laisser la place aux touristes. C'est pour ça qu'ils nous tolèrent, quoi. Il ne faut pas abuser. Après, nous, on a fait beaucoup de bords de mer. On adore la mer. Parce qu'au départ, on vient de Sète. Donc, on est parti dans l'Aveyron par rapport aux enfants. Et c'est vrai que la mer nous manque un peu. Et là, l'hiver, d'aller en Espagne, en bord de mer, on se régale. Alors, c'est le top. C'est les plus belles vacances qu'on ait fait. Honnêtement, c'est le grand luxe, hein. Et après, un camping-car, ben, c'est génial. Nous, on adore. Ouais, moi, je reviendrai pas en maison hein, pour l'instant. Ouais, parce que vous entendez parler qu'on va acheter une petite maison. Mais c'est pour les vieux jours. On n'est pas pressé. Oula, la c'est vrai santé. Qu'après, dans l'Aveyron, il y a de bonnes petites affaires à faire. Ouais. On ne voudrait pas attendre qu'on soit trop vieux, parce que si je fais des travaux, puisqu'on ne va pas acheter cher non plus, hein, on ne roule pas sur l'or. Non. Donc, on va acheter quelque chose qu'il faut faire les travaux. Il ne faut pas que je sois trop vieux pour pouvoir faire les travaux. Et peut-être pour nos vieux jours. Parce que nous, en fait, on voudrait finir nos vieux jours dans Jack. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Jack, c'est notre maison. Il y a tout qui nous va bien. On n'a pas besoin de plus grand. Et pourtant, Jack, c'était même pas notre salon. Non. Et là, et honnêtement, ça nous va très bien. Ah, c'est parfait. Hein, la place, la taille. Ah ouais, non, mais il y a tout qui convient. Voilà. Après, c'est sûr qu'à la longue, je pense qu'il va y avoir des choses à changer. Ouais, mais ça... Frigo, chauffage, tout ça. Parce que bon, je pense pas que ça va durer... Éternel. Parce que c'est pas une grande qualité compétition, quoi, tout ce qui est dans les camping-cars. C'est fait un peu pour du tourisme, pas pour y vivre dedans. Donc ça, on le comprend, mais bon, ce qu'on comprend pas, c'est le prix, par contre. Hein. Pour du tourisme, quand même, ils abusent. Hein. Parce que bon, nous, on l'a payé 81 000 euros et on a mis 10 000 euros d'option. D'option, ouais. Il est sorti à 91 000 euros. En boîte auto, donc il a 160 chevaux, mais bon après, honnêtement, il y en a assez, hein. Ça va très bien, bien sûr. Il va très bien. On fait à peu près du, dans le luxe, hein. Ouais, on fait à peu près du 11 litres au 100, en roulant tranquille, hein, bien sûr. Et voilà, non, sinon après c'est bien agréable. Moi, en tout cas de ma part, je suis quelqu'un qui me faut toujours faire quelque chose. J'ai toujours fait. En fait, j'étais très sportif dans beaucoup de sports. Sportif, après j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est sport mécanique aussi, donc j'ai fait plein de trucs et il me fallait faire quelque chose pour le week-end, donc je languissais la semaine qui passe pour le week-end et aller faire, donc je me suis dit quand même en camping-car et enfin non, c'est top. Ah non, c'est le top, mais moi hein. Ouais. Ah non, ben déjà nous on bouge tous les 4-5 jours, 5 jours maxi, déjà il faut faire le pendon, aller faire des courses hein. Donc déjà vous êtes obligé de bouger. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas besoin d'un scooter, vraiment. Non. Alors, on hésite. Hein. C'est vrai qu'on hésite de mettre un scooter derrière. Non. Parce qu'on avait les vélos. Oui, mais je peux plus. Mais les vélos, elle ne peut plus. Que si elle se fait taper le dos, parce que Doudou, elle s'est fait opérer. Dans la colonne vertébrale. Toute la colonne vertébrale. Hein. À tous les deux, on fait Robocop. Hein. Comme je dis au petit, le jour où on va se faire incinérer, secouer l'urne. Ouais. Si ça ne fait pas de bruit, c'est pas nous. Hein. Et voilà, quoi. Donc du coup, pas de vélo, parce que je veux pas qu'elle prenne une secousse dans le dos. Non, mais après, comment on se déplace hein. On fait le plein avec Jack, et après on marche. Hein. Ça nous permet de marcher. Sinon, on ne fait plus rien. Voilà. Et ben, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Bon, trottinette, moi, je m'y vois pas. Non, pas du tout. Je m'y vois pas du tout. Hein. Pas du tout. C'est pas pour nous. Hein. Pas du tout, du tout. Et voilà, ben, après, la cuisine, il n'y a pas de souci. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Ben, alors, vous l'avez vu, hein. L'hiver... C'est l'hiver où on voudrait faire des plats au four, mais c'est vrai que par contre ça consomme pas mal, le gaz. Mais bon, après tant pis,
Mais sinon, ça va après. Non, il y a tout qui part. Le frigo, le congèle aussi. Non, il y a tout qui part. Le congèle, il n'y a que l'été. Moi, je trouve. Ah, pour les glaces. L'été, on ne peut pas faire de glace. Je ne comprends pas. Parce que c'est un réfrigérateur. Pourtant, c'est la viande et tout, elle congèle. Ouais, mais je sais pas, c'est pas pareil. Mais les glaces, on n'arrive pas. C'est dommage parce que c'est notre petit péché mignon quand même. C'est pas grave. Alors, on va les acheter. Voilà. Et on les mange de suite. On les mange de suite. Ok, de 6. De suite. Et voilà quoi, le lit, bon, génial. La chambre, il n'y a rien à redire. Non. Le matelas, il est top. Mmh. Bon, nous, on a mis quand même, parce que la première nuit, on a eu mal au dos. Et on avait un surmatelas qu'on avait à la maison. À la maison, ouais. Du coup, j'ai coupé juste les arrondis au pied et on l'a posé dessus depuis voilà, nickel. Voilà. Ouais. Voilà. Sinon, après, bon, les sièges sont hyper confort. Bon, par contre, je ne sais pas combien de temps ils vont tenir parce que, entre quand on roule dessus, quand on roule, on est dessus. Quand on a la télé, on est dessus. Quand on est assis, on est dessus. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps sur ces petits fauteuils. Mm. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ça fait un an, ils tiennent bien la route. Non, ça va. Il n'y a que les housses. C'est chiant de trouver. Pour trouver ces housses-là avec housses, la ceinture intégrée. Avec, là. Avec les ceintures, ouais. Alors là, on a mis nos sorties de bain. Je préfère les mettre là parce que moi, je l'ai essayé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, même pas. Et voilà, t'avais commandé ça à Wish, je crois, non? Non, à AliExpress. AliExpress. C'était pour quand je sortais. C'est parce que je sortais, tu sais, pour la douche extérieure que t'as acheté. Eh oui, oui, oui. Eh oui, c'est vrai, j'ai pas monté là. Eh oui. On a mis dehors à l'extérieur et le douche. Alors en fait, on branche pour régler l'eau chaude, l'eau froide, et pour se doucher à l'extérieur. Et ce que t'as acheté. Et on a acheté une tente, en fait, douche extérieure. Vous le verrez dans une vidéo, vous regardez. Qui peut faire toilette aussi quand vous avez tout le monde. Oui, si vous avez des toilettes extérieures, voilà, vous faites des toilettes secs et voilà. Et ça, c'est surtout pour les vannes. Ouais. C'est pas tellement pour les camping-cars. Hein. Ouais. Parce que voilà, je peux pas démonter le WC pour le faire dehors. Non, mais tu mets... tu mets quoi? Tu mets un seau. Mais maman, je vais pas mettre un seau pour 4 jours. Je me dis que des conneries, hein. Eh, vous avez pas dit c'est quoi? Pour 4 jours, je vais sortir un seau, je vais faire caca dans le seau, je vais écraser le seau. Je vais avoir une peine de merde. Laisse-moi tranquille, la WC va très bien. La douche aussi, ça va. Bon, c'est vrai que si je bouge un peu trop, je touche partout. Mais ça va. Non, honnêtement, ça va. Faut pas que tu te baisses simplement. Ouais. Parce que sinon tu vas squeezer. Ah ouais, là, il faut appeler du renfort quand on se baisse. Ça va tomber quelque chose. C'est l'avantage. Oh, bon, après, il faut bien s'entendre quand même, parce que c'est petit. Ouais. C'est très intime. Parce que quand vous êtes au lit, quelqu'un qui va faire pipi, il est à 2 mètres. Il a 2 mètres qui fait pipi, alors il faut être intime. Hein. Faites pas ça quand vous voulez juste vous raconter. On va vous dire chatte. Et 1 mètre après, même pas. Vous avez la cuisine. Hein. Alors, tout est très proche. Donc, c'est vrai qu'il faut bien s'entendre quand même. Mais oui. Bon, nous, il n'y a pas de souci. Depuis l'âge de 16 ans et 17 ans, on est ensemble. On s'est accommodé un à l'autre. Bon, les toutous, nickel. Ouais, alors, de suite. Alors, alors, eux, quand on était à la maison. Ouais, j'allais le dire. Ils avaient le. Ben, vas-y, explique, maman. Non, vas-y, je t'en prie. Hein. C'est pourquoi tu parles mieux que toi que moi. En fait, ils avaient le mal de voiture. Comme on les laissait tout le temps à la maison. Et le jour où on a dit pour le camping-car, on a dit on va les prendre en voiture. T'es, on a fait 100 mètres. Oh, ils ont vomi. Ils ont putain, ils vont me vomir partout. On a dit ça va être galère. C'est ça la crainte. Hein. On a essayé des petits cachets, mais on pratique. Hein. Non, oui. Pas grand-car, hein. Au lieu de faire 5 minutes, il faisait 10 minutes. Hein. Ouais, non, les pauvres. Ils bavaient et tout. Alors on a dit, on va voir quand on va prendre le camping-car. Et en fait, du jour où ils sont montés avec le camping-car, ça a été fini. Ça a été réglé. Ouais. En fait, c'est plus grand, ça va être leur maison, je sais pas. J'en sais rien. Bon, déjà, dès que je démarre, de toute manière, ils se mettent dans leur lit et dorment. Ça, c'est nickel. Non, ils sont tellement. Et puis alors, ils crapahutent partout. Ouais, ils se régalent. Ils nous suivent partout. Ils sont braves. Dès qu'ils sortent, un autre chien, ouais, ils vont sentir le pipi, machin, couffin. Et ils sont heureux. Hein. Ah ouais, c'est clair. À la maison, ils étaient bien, mais ils étaient que eux deux. Et là, ils ont des copains et des copines. Hein. Ils se font faire des gratouilles par tout le monde. Des gratouilles par tout le monde. Ils ont des tontons et des tatis partout. Partout. Et mes amours. Et nous, ça nous va bien aussi. Hein. Ouais, franchement. Ça nous occupe bien, ça nous fait sortir aussi. Grâce à eux, ouais. Grâce à eux, ouais. En fait, on sort beaucoup entre les chiens et la chaîne. Et la chaîne. C'est vrai que la chaîne, des fois, on dit... Ouais, c'est grâce à vous. Allez, on va aller voir ça pour le filmer et tout. Ça nous pousse. Ça nous pousse, allez. Donc, tout ça, c'est l'ensemble qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Parce que là, il y a des jours où je n'ai pas travaillé, là. Chez le frérot, quand lui, il bosse. Il y a des fois, j'ai fait une petite bricole. Mais bon, en général, sinon, je me mets
au jardin, dehors, avec Doudou, on se repose. Et on dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouvait comme à la maison. Ça fait que le matin, on allumait la télé, et jusqu'au soir. Et on était devant la télé. Bon, moi, le jardin, je faisais parce qu'il fallait le faire. Mais bon, c'est pas ma passion. Hein. Donc après, et tous les jours se ressemblent. Hein. Vous languissez le dimanche pour que les petits viennent vous voir. Ouais, c'est ça. Que là, en camping-car, au contraire, c'est les petits qui attendent qu'on vienne les voir. Qu'on vienne les voir, ouais. Alors c'est vrai que ça nous change parce que nous, tous les dimanches, ou le samedi ou le dimanche, on avait un repas qu'on faisait avec les enfants. Ça, c'était tout le temps. C'est vrai que là, depuis qu'on a un camping-car, ben, tout ça, ça a été fini. Mmh. Et honnêtement, il y a la vidéo, comme tu dis là. Ben, la visio. En vidéo. Grâce à ça, on les voit en visio, on se parle. Voilà. Hein. C'est ça la chaîne, au départ, on l'a faite par rapport à ça. Ouais. Pour qu'ils sachent où on est, parce qu'on a dit à tout le monde qu'on vendait la maison et qu'on partait en camping-car. Ils ont pris pour des malades. Hein. Ils ont dit, ça y est, en patate ou plomb. Ils ont pété un plomb. En patate ou plomb. Non, t'as un message. Moi, je lui ai un message. C'est mes frères chantipotes qui me parlent sur Insta. C'est les petits soissons. Et voilà, quoi. Non, après, avec les enfants, du contraire, quand on revient, eh bien, c'est génial. On se fait des bouffes ensemble, ouais, hein, on se voit. Bon, on s'explique pas ce qu'on fait, puisqu'ils nous voient. Donc, mais bon, c'est bien, ça rassure. Hein. C'est bien, puis eux, ça permet de se retrouver eux deux aussi. C'est ça. Nous, on a deux garçons. Deux beaux garçons. Voilà, c'est vrai que bon, nous, ils se voyaient à la maison. C'est vrai que les deux sont carrément différents. Et là, le fait qu'on ne soit plus là, ben, j'ai bien... Ils se sont rapprochés. Ils se rapprochent, hein, tous les deux. Ils se font des bouffes. Voilà. Et oui, il n'y a plus papa, maman. Et en fait, ça a été un mieux pour eux. Ouais, exactement. Moi, je trouve que ça a été un mieux pour eux. Ouais. Et du coup, nous, on est très contents. Je vois ma maman aussi, on se déplace. Hein, et après, le camping-car, vous pouvez vous déplacer. Hein. Exact. Et ça n'empêche en rien que vous soyez malade, que vous êtes opéré, pour que vous devez faire tout ce que vous voulez, mais toi, ça n'empêche rien. Opérée, voilà, exactement. Elle est restée un mois à l'hôpital, et bien moi je suis resté à côté avec le camping-car. Sinon, il aurait fallu que je fasse les trajets tous les jours. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Hein. Ceux qui veulent se lancer, allez-y. Lancez-vous. Non, moi je trouve que c'est bien. Après, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Ah ben non, monde de mais vie. C'est certain. J'avoue. C'est moi, je dis, pour les gens qui n'en ont jamais fait, ça serait bien d'en louer un et d'essayer. Tout à fait. Mais après, si vous le louez un, que c'est pas pareil, je sais pas. Nous, on a accroché de suite, quand même. Bon, il faut être un peu bricoleur, quand même. Aussi. Il faut être bricoleur, honnêtement. Mais bon, après, ça va, honnêtement. Non, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que j'allais dire? Oui, après, tout ce qui est administratif. Alors c'est vrai que nous on a changé, au début on avait tout au courrier du voyageur. Et en fait on s'est aperçu qu'il y avait des soucis pour les impôts au courrier du voyageur, du coup on est au CCAS. Voilà. Alors au CCAS vous inscrivez, vous faites la demande et vous avez pour tout 3 mois, non? Non. Ça marche comment? Bon, vas-y, explique. C'est une année. Mais il faut que vous refassiez la nouvelle demande 3 mois avant. 3 mois avant la fin de l'année. Voilà. Et chaque année, il faut faire la demande. 3 mois chaque fois. Chaque fois, vous faites la demande. Du coup, c'est notre adresse pour les impôts. Voilà. Mais il faut que quelqu'un soit domicilié là où vous demandez le CCAS. Là, en tout cas pour nous, qu'on nous a demandé. Je ne sais pas comment ça marche chez les autres communes. C'est pareil. Je ne sais pas, mais bon. Du coup, au CCAS pour le courrier. Voilà. Alors, c'est vrai que par contre, le courrier du voyageur, ce qu'il y a de bien, parce que le CCAS, on ne voit pas. Le courrier, il n'ouvre pas. Non, c'est moi qui téléphone. Voilà, ils vous disent le courrier, mais ils ne vous disent pas ce qu'il y a dedans. Ils n'ouvrent pas. Que au courrier du voyageur, ils ouvrent le courrier. Voilà. Et vous savez de suite. Hein. Donc nous, on avait fait ça. J'avais dit, si jamais je prends un PV avec Jack, pour l'avoir de suite, pour ne pas avoir des majorations. Mm. Et c'est vrai que j'ai pas eu de PV. Non. Ah bah... Oh. Et nickel pour Jack, honnêtement... nickel le courrier. Et en plus, il vous l'envoie par mail. Mais on a fait la carte quand Visa. Vous le voulez, voilà. Même quand je l'ai acheté, j'ai donné l'adresse du courrier du voyageur. Voilà. Pour la carte grise. Vous créez votre profil, vous regardez les courriers qu'il y a dessus, si ça vous en intéresse, plus, il vous l'envoie par mail. On arrive à les avoir facilement au téléphone. Ils sont très bien. Ça, moi, j'aime bien les avoir directement. Ouais. Ouais. Ça, c'est pratique. Donc, on a ça, après quoi? Après, alors, le problème d'assurance. Alors. Ouais, il y en a, ils m'ont dit j'ai, machin. Alors, non, en vérité, en fait, c'est des directives européennes. Mm. En fait, on n'a pas le droit. On peut être assuré en habitation principale. Ça, il y a des assurances qui le font. Mm.
en camping-car. C'est votre seule adresse. Et vous pouvez partir à l'étranger en Europe, en dehors de France, mais en Europe, 90 jours consécutifs. Après, vous n'êtes pas couvert en cas de pépin. Pour ne pas avoir ce problème de 3 mois. Si vous avez l'adresse, en fait, vous assurez votre véhicule en tourisme comme une voiture à l'adresse, et du coup, vous n'avez plus ce problème de 90 jours. Mais, voilà. En vérité, les assurances, je comprends rien, moi, à ce qu'ils font, là. Parce que, bon, l'assurance principale, vous prenez une assurance en plus de responsabilité civile, comme on a fait, et je vois pas le coût des 3 mois, là. C'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, j'étais voir les assurances, comme on m'a dit et tout. Mais non. Non, si vous assurez en assurance principale, vous n'avez que 90 jours consécutifs. Voilà, vous prenez l'assurance dans les pays où vous allez. Voilà, pour Internet. Moi, j'ai un gros forfait. Doudou, elle a pris un autre opérateur pour qu'on ait deux opérateurs différents, pour qu'on puisse passer partout. Et du coup, quand on part en Espagne, elle prend une carte en Espagne. En général, c'est 15 euros pour 100 gigas. Et comme ça va très bien. Sauf qu'après, le téléphone, il parle en espagnol. Je vous préviens. Ouais. C'est pas... Mais sinon, voilà. Après, dans les visiophones, non, comment on appelle, où c'est qu'on achète les cartes? Vagophone. Vous avez Orange, vous avez tout. Hein. Après, il y a ces tabacs, non, je crois aussi qu'ils font les cartes. Il y a les tabacs, il y a les sites, comment on appelle ça, les trucs internet, là. Ouais, les vagophones. Les vagophones, ouais, c'est ça. Et voilà. Après, quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Bon, alors, nous, en projet, c'est vrai que si on achète un petit pied-à-terre, on changera un peu notre optique. Hein, et du coup, on ne s'opposerait que l'été. Parce que nous, ce qu'on trouve, du moins, on a trouvé que l'été, il fait très chaud, tout est plein et tout est cher. Donc, ça serait idéal de se poser l'été et de ne pas rouler. Donc, c'est vrai que si on avait un petit pied-à-terre, ben, on s'oppose au pied-à-terre l'été. Jack, il se repose. Et nous, et c'est vrai qu'en cas de panne, de grosse panne, on a un domicile pour aller, on se fait rapatrier, on va au domicile, puis nos vieux jours, je ne sais pas. Moi, j'aimerais vivre le plus longtemps possible. Nous, on a croisé des gens, 86 ans, toujours avec leur camping-car, et nickel. Hein. Ah, moi, j'aimerais. Hein. Moi, j'aimerais, la vérité. Mais pourquoi pas? Et c'est sûr qu'après, du coup, on bouge moins quand même. Je pense que dans le futur... Là, c'est parce que c'est nouveau, on veut voyager, on veut voir plein de trucs, on bouge beaucoup. Je pense que plus ça va aller, moins on va bouger. Il va arriver un moment donné où même on aura envie d'aller dans des coins que ce qu'on préfère. Et on va aller se poser, faire 15 jours, 3 semaines dans un spot, après l'autre et l'autre. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, peut-être qu'on arrêtera la chaîne. Parce que là, on n'aura pas grand-chose à montrer. Et puis, ça ne sera pas intéressant, donc on le comprend. Ben oui. Mais bon, ce n'est pas encore demain la veille, hein, parce qu'on a des projets plein. Plein la tête. Mais c'est vrai que notre futur, on le voit comme ça. Se rester un peu plus longtemps dans des spots qu'on connaît, qu'on est bien. Peut-être à ce moment-là, du coup, avoir un scooter derrière, puisqu'on ne bougera pas Jack, pour aller acheter du pain ou quoi. Pour faire quelques trucs, mais remplir des bidons d'eau... C'est vrai que là, ça sera utile. Mais après, voilà, si on achète un truc, faire les travaux l'été. Déjà, on ne reste pas pour faire les travaux. On prend la route. Hein. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on adore ça. Déjà, chaque fois qu'on démarre, quand on prend la route, ouf. C'est le bouffet de liberté. Hein. Ouf, ouais. Ouais. Enfin, on dit. C'est les chevaliers des temps modernes. À l'avant, la route. Ah, c'est génial. C'est génial. Non, c'est bien. Et on après, rencontre des gens bien aussi. Ouais, voilà. C'est le mais le camping-cariste est agréable quand même. C'est quelqu'un de, déjà, c'est pas quelqu'un de trop chichi, machin, couffé. En général, ils sont assez ouverts, ils ont envie de discuter. Ben oui. Non. Après, il y a plusieurs camping-caristes. Il y a un camping-cariste qui y vit, le camping-cariste de week-end. Pas pareil. Après, c'est vrai que quand vous êtes à l'étranger, quand vous croisez un Français, le Français, ouais, un Français, on est plus content. Ouais. C'est vrai qu'il y a un peu plus de dialogue dès qu'on est à l'étranger. Ouais, quand même, c'est hein. Vrai. Après, au niveau sécurité, ben, il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que nous, on est tranquille, on a mis l'alarme. On a l'alarme, en fait, dans toutes les ouvertures. Dans les trappes, capot moteur, les vitres. Partout. Y a que, partout. On a mis partout une alarme.
Donc on a l'alarme qui sonne, plus les verrous de sécurité qu'on met quand on s'en va, et la caméra. On laisse Jack. Bon, la caméra la aussi. La petite caméra, ouais. Mais après, on n'a jamais eu, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu. C'est du bois. Oui. Après, c'est vrai qu'il faut éviter les grandes villes. Il faut éviter les grandes villes. Une grande ville, la première qu'on a faite, c'est Séville. Oui. On nous a déconseillé. Et on a été dans une aire de camping-car payante qui est sécurisée. Donc vous payez 15 euros pour la nuit. Et nickel, quoi. Là, vous êtes à pied à 700 mètres de, ouais, y a tout, du parc d'Espagne. Et voilà, quoi. C'est vrai que les grandes villes... Bon, après, nous, on n'a pas fait beaucoup de grandes villes. Mm. Nous, on n'a pas trop visité les villes. Nous, on est plutôt spawn nature. On adore ça. Pour l'instant, on adore ça. Après, quand il y a des curiosités à voir et tout, on adore aussi. Et voilà, quoi. Mais là, quand on repart, on a deux trucs à voir. On vous dit pas. C'est surprise. Mm. Mais bon, en fait, on prend la route, on va partir... je sais pas. On va, mais on va direction la Bretagne. On prend direction la Bretagne. T'allais le dire. Après, on peut pas vous dire vraiment parce que on n'a pas fait vraiment de projet. On a deux spots qu'on veut aller voir en partant d'ici, de chez le frérot. Mais après, on n'a rien. Donc en fait, c'est le soir, j'aurai ma carte, j'aurai pas Fortnite. Hop, oh, ça c'est joli, tiens. Hop, je regarde, je tape la région, ce qu'il y a à voir dans la région. Voilà. S'il y a un truc qui nous plaît, on y va. Et voilà quoi. C'est comme ça qu'on arrive à trouver les choses. Voilà. Et c'est ça aussi, les revenus de la chaîne, qui nous permettent d'aller voir, de payer les entrées, de faire un peu plus d'essence et tout ça. C'est ça. Ça participe énormément. Mm. C'est certain que les publicités sont gênantes, je le comprends. Mais c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et nous de permettre de vous montrer que vous ne voyez pas que des arbres. Quoi. Parce qu'après, d'aller voir des trucs jolis, il faut payer. Ah ouais. Et bon, et ça fait que... Ça aide bien, ça aide bien. Alors, au jour d'aujourd'hui, on tourne à peu près, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander, on tourne à peu près à 260, 280 voilà. euros mensuels. Et je fais à peu près 300 messages tous les 4 jours. Et on y répond. Et on y répond. Mmh. Bon, je fais court parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'en plus, il faut faire après les montages. Il faut... aller visiter, puis un moment pour nous. Bon, mais après, je sais que vous êtes hyper cool, quoi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est vrai. Et voilà, quoi, je crois qu'on a parlé assez. J'ai soif. T'as soif? Tu veux que je te sers, mon cœur? J'y vais y aller, moi. Bon, toi, t'as demandé déjà. La vie nomade, ça te plaît? Ah ben, lui, regarde. Et toi, ma fille? Ben, ça te plaît? Si, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis. Mon cœur, toi aussi tu dis bonjour. Bon, allez faire chantipote, je compte sur vous. Les pouces, abonnez-vous, ceux qui regardent sans être abonnés. Hein? C'est pas bien ça, c'est pas bien ça, je vous vois. Abonnez-vous. Allez-y. Et les stickers, bien entendu, derrière votre camping-car, ou fourgon, ou ce que vous voulez. Hein? Allez, on vous fait gros bisous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et bientôt sur la route, hein. Encore, nous, je crois qu'on a un petit peu et après on prend la route. T'es bouillant, moi. Ah, j'en peux plus. Je vais ouvrir, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous? Allez, on vous fait de gros bisous. Allez, bisous et à bientôt. Et toi aussi, je te fais un bisou. Mouah. Bye bye, bisous. Mouah.